Pour libérer Tantine, tu prends une tablette, hein, Michel. Thank you.
La souplesse. Vous êtes le couple? Spécial aujourd'hui, certainement pour vous, mais c'est encore plus spécial puisqu'avec ce Covid, on ne sait pas faire les fêtes comme on aimerait le faire. Et ça nous perturbe un peu, la salle aussi est aménagée, mais bon, allez, c'est un beau moment quand même. Et je sais que vous penserez à fêter ça, peut-être de façon un peu décalée, différente que d'habitude, mais que ça se fera dans la bonne humeur et je suis sûre que vous trouverez le moyen de quand même fêter bien cet événement. Alors, aujourd'hui, donc c'est un jour important pour vous. Saint-Gilles, vous habitez où d'ailleurs dans Saint-Gilles? Je vais regarder. Ah, rue Conrad. Ah, et le Québec. C'est chouette. Donc,
Vous avez donc ça déjà dans votre cœur puisque vous y vivez. Mais en tout cas, Saint-Gilles va devenir un lieu qui, toute votre vie, sera le symbole de quelque chose d'heureux. Vous resterez vive à Saint-Gilles après votre mariage, ou pas? Non. Vous allez où? Au Canada. Oh, c'est bien aussi. Quoique, bon, le centre du monde, c'est ici. Et quoi, c'est ici. Le nombre du monde, c'est ici. Non, je vous souhaite le meilleur et franchement, je crois que Québec, j'y ai jamais été, j'aimerais beaucoup ça de le faire ici. Allez, c'est bien. Mais donc, je suis heureuse en tout cas, au nom de l'administration de Saint-Gilles, de vous accueillir. Et c'est quand même plus agréable de recevoir les gens dans le cadre des citoyens d'un mariage et d'un événement heureux plutôt que les papiers, l'administration, l'urbanisme. Ici, aujourd'hui, on vous accueille pour un moment heureux, agréable, et où on a l'occasion de rencontrer nos citoyens d'une façon plus agréable. Alors, bon, ben, mariage, ça a l'air un peu bateau de le dire, mais c'est toujours bien de... Ben oui, c'est un moment, c'est le moment où il faut le dire. Je pense qu'un mariage, c'est pas rien, c'est pas une décision qu'on a prise comme ça, c'est un moment important, riche de signification, qui signifie aussi des droits et des devoirs. C'est pas uniquement « ok, ça va être une super journée », non, c'est riche de signification. Il faut affronter ensemble les aléas de la vie maintenant, réfléchir, décider ensemble. C'est pas seulement « ok, c'est le droit à l'amour aujourd'hui », mais c'est à la confiance, à l'amitié, à la tendresse, à plein de choses bien au-delà du mariage, tel qu'on conçoit au niveau de l'amour, c'est beaucoup de choses pour que les choses fonctionnent bien. Et donc, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, que vous ayez cette occasion de vraiment échanger, de discuter, de prendre des décisions ensemble et de réussir ça. Ce chemin, il est long maintenant. Moi, en fait, je ne suis pas l'échine qui d'habitude fait les mariages, puisque je suis échine, mais je viens toujours en été quand les échevins qui font les mariages prennent congé. Et donc, je dis toujours que comme je fais les mariages un peu à titre exceptionnel dans mon année, j'aime bien que mes mariages soient exceptionnels. Et donc, bon, moi, ça dure une demi-heure, mon travail. Vous, ça va être beaucoup plus long pour qu'il reste exceptionnel toute la vie. Donc, je compte sur vous. Hein. Mes mariages, c'est les meilleurs. J'en fais de 10 par an, donc j'espère quand même que les miens, ils seront super top. Donc, je compte sur vous. Alors, bah, vous n'êtes peut-être pas footballeur, mais moi, je suis échevine des sports, et donc, je dis qu'à Saint-Gilles, l'union fait la force plus qu'ailleurs. Mais bon, il faut vivre à Saint-Gilles pour comprendre. Oui, c'est ça. Et donc, voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on vous accueille dans cette magnifique salle qui, depuis que l'hôtel de ville a été construit en 1904, n'a jamais changé de fonction, ce qui est un grand luxe. On n'a pas essayé d'y mettre des bureaux parce qu'on a besoin de place. C'est un local, une grande belle salle sereine. Il y a des alliances au plafond. C'est un peintre célèbre qui a fait cette salle. Et elle n'a jamais changé de vocation. Depuis toujours, elle a célébré des milliers de mariages. C'est un lieu très paisible dont j'espère que vous vous souviendrez. Et qui aujourd'hui bah, vous accueille avec beaucoup de bonheur. Et donc ce bonheur, nous allons partager ensemble dans ce moment important. Donc je vais demander à Madame la greffière si des témoins nous ont été présentés. Oui, Madame Lichvine, 4 témoins nous ont été présentés. Donc, Madame Mangolo et Couture Marc-Paul, M. Elioni Yanna, M. Rigo Tony Bernard et Madame Dembo Elisa Roscari. Tout cela est-il bien exact? Oui. Alors, est-ce que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies dans les délais? Oui, Madame Lichvine, elles ont été respectées. Merci. Alors, je vais vous demander de lire l'acte de mariage. Oui, donc maintenant vous procédez à la lecture de votre acte de mariage. Aujourd'hui, ce 8 août 2020, M. Obama Hachette José Louis, né à Kinshasa, au Zaïre, le 14 juillet 1975, de nationalité congolaise, domicilié à rue Conrad numéro 79, et Mme Tiamala Lunga, née à Kinshasa, au Zaïre, le 25 janvier 1981, de nationalité canadienne et domiciliée à Saint-Léonard, au Québec, rue Bonnard, 7020. Cela est-il bien exact? Okay. Conformément à la loi, Mme Lichvine va vous lire des articles du Code civil relatifs aux droits et devoirs respectifs des époux. Donc maintenant que je sais que je marie les bonnes personnes, on est d'accord, mais là-dessus. Dans le fond, je réfléchis
Il y a plusieurs dialectes, donc vous pratiquez le swahili? Quelqu'un comprend le swahili? Ah non, ben voilà, parce que je connais des phrases pour accueillir les gens en swahili. C'est Jambo, Jambo Sana. Alors je sais aussi qu'on dit, mais je vais le prononcer peut-être avec erreur, Obari Muzuri Sana. C'est juste Obari. J'aurais dû dire ça en fait. Je le connais parce que quand j'étais petite, je chantais une chanson comme ça. Et c'était Jambo, Jambo Sana. Et j'ai ça en tête et ben, ça m'a déjà bien sauvé. Donc je vais vous lire effectivement les droits et les devoirs respectifs des époux. Alors le chapitre 6 du Code civil relatif au mariage nous dit ceci. L'article 212, le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas parce que vous vous mariez que vous perdez votre capacité juridique à signer un contrat, à vous engager personnellement. Néanmoins, je ne peux que vous engager avant de signer un contrat, maintenant qu'on est mariés, d'en parler, de discuter, de prendre vos décisions ensemble, et donc de réfléchir avant de signer des choses importantes. Seul. Alors, article 213, les époux ont le devoir d'habiter ensemble, ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Et l'article 221, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Donc cet article est l'article un peu financier qui dit que chacun contribue avec les revenus dont il dispose pour que le ménage fonctionne. Mais je vous propose de le comprendre de façon beaucoup plus large. C'est que chacun apporte dans le ménage tout ce qu'il a de meilleur pour que les choses fonctionnent. Donc c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que, en tout cas, je dois vous édicter au nom de la loi. Alors, je vais vous demander de vous avancer. Et je vais appeler Elika et Julia. Londa. Peux-tu donner à José l'alliance de Londa? Alors, José, acceptes-tu de prendre pour épouse Londa ici présente? Oui, je le veux. Je m'en attends. Je t'en amitié. Et pour la côte, voilà, Rana Sassou. Veux-tu donner l'alliance à Londa, l'alliance pour José? Londa. Je mets un peu de suspense. Londa. Acceptes-tu de prendre pour époux José ici présent? Oui, je le veux.
Alors, la cérémonie n'est pas finie, hein. Je vais demander aux mariés de se rendre au pupitre pour la signature de l'acte. Ensuite, les témoins. Il y a contre les jours, je sais pas. Vous avez à reprendre votre place à un moment. Non, vous êtes à côté. Oui, à côté. Alors, je vais vous remettre le pic avec lequel vous avez signé votre mariage.
Ceci, ça n'a pas de valeur, c'est des actes variables, mais c'est la preuve déjà de ce que tu as dit. Je vais maintenant procéder à la signature de votre contrat de mariage. Oui, tout à fait. Alors, il a un look un peu vintage, ancien, mais très précieux à garder. On vous le demandera souvent dans votre vie, chez le notaire ou ailleurs, donc fort important. Oh non. Au nom de l'administration, bon, vous avez déjà le vôtre. Comment alors, photo. Quand même. T'es Simon. T'es quand même. Côté étiquette. Ouais. Quand même maintenant. Attention, c'est le moment très important. Qui clôture la cérémonie, mais qui est très important. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Donc, c'est pas dans les écritures. Tout à
Samuela, ton bouquet d'oreille. Moni, bon à moi. Ça va? Hein? Si, si, rien à dire. Ah, non, comète. Hein? Comment je te rappelle?